commencé au mois de janvier. Oui, parce que moi, l'année passée, j'étais ici, ça n'existait pas. Enfin, elle n'était pas dans cet état, en tout cas. Donc... Allez, allez, dégagez. Là, elle est déjà finie ou bien vous êtes en train de progresser? Pour moi, l'année, on avance. On prend les images tout en avance. Voilà. Gardez tout au centre. Portez armée. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellence, l'équipe d'honneur est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de service. Le commandant des tâches d'honneur, Monsieur Tchamala Kabea Fostin. À vos ordres. Argo. Yes. Membres du comité, vous payez, vous allez payer tout à l'heure. On récupère. Monsieur, hapa munakaribisha Premier Ministre, chef de gouvernement, anakuja hapa kuwatazama na kuwapongeza kupitia magumu yote yenye wakimbizi wanaopitia hapa mu province ya Nord Kivu. Tulifanya malalamiko mengi kwa gouvernement central. Sasa ye mwenyewe chefu ya gouvernement anafika aone mateso muko munapita ndani. Anapenda ye mwenyewe ajione na macho kusudi wakati atarudia alete jibu kwa haraka. Mumupigie mikono. Mumupigie mikono tena. Sasa mukae kimya, tumukaribishe awaelezee neno kidogo, na wende ataweza kuwapatia jibu kwa mashida zote zenye muko nazo. Mukuwe kimya. Les journalistes font nous laisser du bruit là. Les kilos, 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 les tant que vous êtes si vous êtes en train de vous faire un jambo. Jambo. Je vais parler en français. Je suis venu ici pour être avec vous aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas les seuls. Je sais qu'il y a plusieurs autres déplacés qui se retrouvent ici à Goma, mais aussi dans d'autres territoires du Nord Kivu. Mais vous, vous êtes un symbole. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter des histoires.
Je ne suis pas venu ici pour vous dire que je vais faire un miracle demain. Le miracle, c'est le Seigneur, c'est Dieu notre Père qui va le faire. Mais moi, en tant que chef du gouvernement, je suis accompagné des membres de mon gouvernement. Nous avons avec nous le ministre d'État en charge du budget, Emi Boji. Nous avons avec nous la ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, Maman Nathalie Aziza. Nous avons avec nous le ministre de la Communication et Médias, Monsieur Patrick Muyaya. Mais nous avons aussi avec nous les honorables, les élus du peuple que vous, vous avez choisi. Et j'ai oublié, il y a aussi le vice-ministre de la Défense. Qui est là. Et nous avons aussi le vice-premier ministre de l'intérieur et sécurité qui est venu avec nous. Moi, je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec des maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Wazalendos. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant, prendre de stratégie, non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. Mais heureusement que nous avons aussi le gouverneur militaire et toute son équipe le général Chirimwami Peter, avec qui nous avons beaucoup échangé et nous allons continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions. Aujourd'hui, Léo, j'ai déposé au nom du gouvernement quelques vivres, des médicaments, dawa, et des lits qui vont pouvoir aller dans les centres de santé pour pouvoir vous aider. Mais j'ai demandé au gouverneur de faire la distribution à tous les personnes qui en ont besoin sur les différents sites, avec vos responsables, parce que
dans le respect de votre dignité humaine. Je veux que cette distribution se fasse dans l'ordre et dans votre respect. Ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans des sites déplacés que nous ne devons pas vous respecter, au contraire. Nous devons vous respecter en tant qu'être humain, mais particulièrement à cause de la souffrance que vous avez vécue. Alors moi, je passe aujourd'hui. Je vais rentrer à Kin avec mon équipe. Mais on ne va pas vous oublier. Au contraire, on va maintenant travailler encore plus. Parce que ce que vous vivez, personne ne peut accepter de le vivre et d'être vous. Moi, je vais vous aujourd'hui. Léo, je dis, comme l'a demandé le chef de l'État, que nous allons prendre nos responsabilités en tant que gouvernement. Léo, mimi, sawagisi, alisema, raisi wa inchi, tukamata majukumu yetu kama serikali. Et le Seigneur qui a voulu na Mungu ambaye alikubali que je sois en tant que femme alikubali niwe kama mwanamke nommé aujourd'hui Premier ministre et chef du gouvernement, je lui demande à lui de me donner la force, de me donner l'intelligence pour trouver les solutions qu'il faut. Et je lui demande de vous bénir tous. Asante sana. Asante sana. Tumemusikia mama tupiga vigelegele. Tupiga vigelegele sana. Il y a le représentant de déplacé, s'il vous plaît papa. Kuna msimamizi wenu nyewe wakimbizi iko hapa.
population qui est débattante.
za tunataka.